Tom Boone, un peu moins d'un an après ton expérience dans la Indian Hockey League, tu te retrouves à nouveau en Inde, un peu dans des conditions différentes. Hein. Vous allez jouer pour une place en finale de la World League contre les Indiens devant leur public. Ça t'inspire quoi ? Tu t'attends à quoi dans ce match ? Ben, je m'attends à un match assez chaud à jouer. Le stade va être plein à craquer. On va jouer contre une équipe indienne qui va être soutenue à fond par son public. On a déjà eu le cas en Belgique et on sait qu'un très bon public, ça peut énormément aider. Maintenant, c'est à nous de serrer les coudes, de s'aider encore plus que jamais les uns les autres pour pouvoir battre cette équipe indienne. Il faudrait essayer de ne pas trop rentrer dans leur jeu. Ils vont essayer d'emballer le match avec leur public. Nous, il faudrait essayer de rester bien structuré, de jouer notre style de jeu à nous. Et si on fait ça, je crois qu'il n'y aura pas trop de problème. Et c'est quoi notre style de jeu à nous? Quelle est notre arme par rapport à ces Indiens? Ben, c'est la structure. Je crois que depuis le début du tournoi, on propose un jeu très structureux avec néanmoins quelques libertés. Et voilà, ce sera ça qu'il faudrait essayer de mettre en place. C'est une bonne possession de balle en défense, avec de la bonne vitesse. Trouver les milieux qui peuvent faire leur raid comme ils font depuis le début du tournoi. Et jusqu'en attaque où là on a un peu plus de liberté. Et si on trouve les zones dans lesquelles on peut jouer, je crois que ça va être un match assez ouvert pour nous au final. Toi qui les connais bien, ces joueurs indiens, quelles sont les figures qu'on va devoir tenir à l'œil pendant ce match ? Bah, ils ont des avants qui sont très très rapides, je pense à Sunil, à Akash Deep, c'est des joueurs qui d'un rien peuvent créer une action. Après je crois qu'en un contre un sur tout le terrain, chaque joueur belge a ses qualités pour pouvoir battre son adversaire direct. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment un joueur clé qu'il faudra tenir à l'œil. Oui, dernière petite question, un peu plus générale celle-ci. Par rapport aux conditions de vie et de jeu ici, est-ce que tu aimes bien venir jouer au hockey en Inde? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je crois que d'un côté c'est chouette parce que voilà, comme des matchs comme aujourd'hui avec un stade plein à craquer, ça arrive pas tout le temps et en Inde ça arrive plus que dans d'autres pays. Après, les conditions générales pour un sportif sont parfois assez difficiles. On se retrouve avec énormément de joueurs qui sont malades. Les conditions autour de terrain avec de la fumée ou c'est pas l'idéal. Voilà, on commence un peu à s'y habituer et ça pose plus trop de problèmes.